haricot beans est dans la maison avec mung. Avec quoi? Mung? Mung encore dans mes cheveux, allons dans. Mais moi, je croyais que tu venais avec elle. Comment tu viens seule? Qu'elle se contente du demi-sac de riz qu'elle m'avait volé, qu'elle aille se nourrir avec. Ah, Rico, bienvenue à la maison. Merci beaucoup. On va faire quelque chose de spécial, d'accord? Oui. On va se faire... Il y a le matango, moi, je veux boire. Prends d'abord la direction de la cuisine. C'est à ta gauche. À la cuisine. Voilà. Bon, c'est moi qui fais la cuisine. Oui, c'est toi. Il va envoyer les odeurs aux gens. Sur le congélateur, là, il y a le tablier de cuisine. Ah, le tablier! Dans le lavage de main. Au fait, tu prépares quoi? Ce que je prépare aujourd'hui, c'est mon plat préféré. L'un des plats que Mung était incapable de préparer. Je vais vous faire la sauce d'arachide, Fian Wondo. Tu as la pâte d'arachide? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? La tomate dans le frigo. Ma tomate. Le désordre, t'as dit, tu vois, une femme connaît l'ordre. Mung, c'était le désordre. Je suis censé commencer par mon poisson, parce que là, nous avons le poisson, c'est pas le bifaga, c'est le poisson fumé. Il faut placer de l'eau, le nettoyer, tremper d'abord pour qu'il s'immerge dans l'eau et je pense que ce sera la première des choses que je ferai. Pendant ce temps, je vais nettoyer ma tomate. Il y a une partie de ma tomate que je dois écraser. Il me faut une pierre. Okay. Moulinex, c'est la faiblesse. Ou belle, tu as les choses. Je sais que tu poses souvent ta barre. Oui, c'est là, toujours. Il ne faut pas que tu dises que oh, l'homme souhaite des autres. Non. Je suis venu à lui des autres. Ça, chez nous, là, on a ma cocotte. Ça, ici, on appelle Silba. Okay. Ici, c'est Ebourg. Silba, Ebourg. Silba, Ebourg. J'ai dit, si c'est ça, avec ça qu'on prépare, vous me dites que c'est avec ça. Si c'est que c'est ça la flamme, c'est ça la flamme. C'est bon, non? Ah, c'est bon. Mais rien que pour ça, on a perdu le temps. L'enfant peut mourir de faim. Bon, la suite, c'est que je vais nettoyer mon poisson, je vais l'émietter, mon poisson fumé. Arico, du coup, j'ai envie de te demander, que t'évoques la date du 20 avril? Oh. Je pense pas qu'on est... Bon, si, pour tout. Vous n'êtes pas... On prépare ou bien on pleure? Non, on ne pleure pas. Oh. Hein? La date du 20 avril... ce jour, c'est une date très triste pour moi. Parce que la personne qui me motivait, la personne pour laquelle je me suis passé pour travailler, Alors, on parle de maman qui, comme tu dis, était très chère à toi. Est-ce que tu peux estimer aujourd'hui qu'elle est fière de ce que tu fais, ce que tu es et de ce que tu es en train de devenir? Elle n'est pas mal. Elle ne m'a pas dit qu'elle est fière, moi, je ne sais pas. Puisque je ne la vois plus. Oui, mais avant? Bon, avant, elle était fière. D'accord. Elle était fière et je... J'ai donné tout ce qu'il fallait donner pour qu'elle reste. Mais comme la loi de Dieu, elle est très forte. Savoir nous enlever, nos mamans, nos parents, quand nous ne voulons même pas. Mm-hmm. Et est-ce que tu as des frères et des sœurs? Je n'ai plus de frères, je n'ai qu'une sœur. D'accord. Et ça se passe bien entre vous? Ouais. Elle n'a pas le choix parce que je suis le seul. Et moi aussi, je n'ai pas de choix parce que personne ne peut plus bouder. Ok. Est-ce que tu es marié? Je devais me marier depuis. Le mauvais mariage, c'est pire que du poison. Arico, bonne nouvelle, tes patates sont arrivées. Sérieux, là? Mais attention, oh, merci beaucoup. Mais ce n'est pas la contrefaçon. Parce que la patate a des vertus. Patate arrivée, eau en train de chauffer pour nettoyer le poisson fumé. Ok, c'est bon. Ah, pourri, mets-moi. Même
Ndenge a été scolarisé jusqu'en première. Oui. Ariko. Tu sais pas moi. Et toi, tu as été scolarisé jusqu'à quelle classe? Terminale. D'accord. J'ai même abandonné mon école. J'allais dans les chantiers. Je suis plombier de formation. Ok. Installateur sanitaire. Sauf que tu commences tes débuts en comédie justement au collège. Oui, au collège. Et à la base, tu ne gagnes pas grand-chose. Non, je ne gagne pas. Je vivais des chantiers. Moi, au lycée, tout ça, ça commence il y a de cela 3 ans. Et un jour, tu es invité et on te donne, je crois, 1000 francs ou 500 comme agent du taxi. 500. Et tu estimes que c'est beaucoup. En fait, tu es étonné. Je ne savais pas qu'on pouvait payer dans la comédie. Mais c'est un monsieur qui avait son secrétariat, Thémathieu Clément, un homme de Tchad, en Balmayo. Il avait créé une chaîne de télévision qui existait dans les bouquets de Cap. Et c'est pendant qu'il découvre mes œuvres qu'il m'appelle. Et il m'a dit, tiens, 500, paye ton transport. J'ai eu peur. J'étais content. J'ai dit, moi, 500. Parce que à cette époque-là, au lycée, moi, je vivais avec 100 francs pendant une semaine. Parce que les 100 francs, lorsque tu arrivais au lycée, tu te disais, gars, je ne mange pas, je garde pour aller manger le soir et tu manges dans les poches de tes camarades. Mm-hmm. Ou bien soit tu voles la femme qui vend les beignets. Et moi, aujourd'hui, je confesse, j'avais volé, la femme là avait dit, ceux qui m'ont volé vont échouer au bar même 4 ans. Et j'avais échoué 5 fois. C'est là que j'ai compris que c'est là où on m'avait détruit. Mon frère, Juslan Amou, réalisateur dans la ville de Bamayo, 2003-2004, je vais à la radio femme parce que nous, on les écoutait, animés à la radio, et il manquait des comédiens. Mm-hmm. Et on arrive, il y avait moi, il y avait Zourakaba. On arrive, on le rencontre, lui est Narcisse Ndongo. Et puis on lui fait cette proposition, s'ils peuvent nous accorder un passage pendant leur émission qui était très écoutée à la radio femme appelée Tempête Tropicale. D'accord. Et les gars acceptent de nous donner 5 minutes chaque samedi. Et voilà comment on arrive. Et on se met à travailler avec eux. Et nous étions contents juste parce que les filles au lycée, pendant ton passage, pouvaient saluer 2-3 filles. Et puis lundi, tu es sûr qu'elle pourra t'apporter des boîtes de nourriture. Et tu joues la star dans sa famille. D'accord. C'était un tout petit peu comme ça, comme cela, comme ceci. Et à Mougou, arrive donc en 2016, ayant déjà formé la troupe des rigolards en 2006, on continue de bosser parce qu'il nous dit, les gars, prenez 10 ans pour apprendre en Balmayo. 10 ans. 10 ans pour apprendre avant de sortir. Et en 2016, il arrive en Balmayo et on se met à travailler sur des projets, des courts-métrages visant à les viabiliser en organisant des projections publiques gratuites. Ariko, tu vas mettre toute la tomate là dans la sauce. Tout est proportionnel. Je maîtrise. Bah, quand tu vas parler comme ça, tu vas dire que c'est toi qui es. Non. Moi, laisse-moi. C'est bon. Bon, maintenant, je découpe les oignons. Là, on met les oignons, on découpe les oignons, on les découpe. Avec la tomate. Voilà, avec la tomate, on mélange un tout petit peu. Doucement, doucement. Après, le reste, je vais écraser. L'oignon que je vais écraser, la tomate que je pourrais écraser, ce sera pour aller dans les profondeurs de poisson, d'arachide, pour que ceci ait une sorte de... de feeling. Si je parle de ça, vous allez vous décourager. D'accord. Bon. Alors, George Edina, c'est ton véritable nom. George Edina, en langue, c'est Edina, qui signifie le remplaçant. Voilà. That is good. OK. Tu as besoin de quoi? Est-ce qu'on peut t'aider? La louche. Ah, OK. Ouvre un peu. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on appelle la spacule. La spatule. Là, excusez, je n'ai pas toutes mes dents, donc j'ai les fuites de mou parfois. Bon, on va se battre avec ça. On est obligé. Mais il nous faut ce qu'on appelle icon. Mmh. La louche. Mmh. La louche icon. Mmh. Récemment, les gars m'ont envoyé le palu. Nous sommes rentrés du Qatar. On rentre, Van Nistel est seulement, chaque fois il prend l'avion. Il a continué avec les voyages. Ça m'a un peu choqué que lui ne fait que voyager. Il fait ça comment?
J'ai pris le passeport d'un ami qui était posé sur la table. Là. Je filme son passeport comme ça. Là. Mm-hmm. Je mets donc en statut aussi que moi aussi, j'avais un peu effrayé le voyage. J'ai donc mis Allemagne en cours de téléchargement. Ça n'a même pas fait 3 heures. Bon, en tête. Donc, pas lui a dit ni manoui. Les gars m'ont localisé. Après, on m'envoie le palu. Mais je sens le corps. Je dis, hey. Après, je vois un message qui arrive. Gars, quand on veut voyager, on n'expose pas. Je dis, quand on veut voyager, on n'expose pas. Tout ça, le palu. Je dis, gars, non, moi, je blague. Je dis, tu blagues. Attends, quand je suis malade. Il dit, j'étais malade. Là, l'huile, on attend que l'huile en gagne tout bon, reprend. J'ai dit que j'ai supprimé. J'ai même fait un autre poste que, pardon, mes amis sorciers. Est-ce dans mon passeport, moi? Mm-hmm. Ce n'était pas mon passeport. Est-ce que vous pouvez annuler ça? Les gars, personne ne m'écrivait même plus qu'on ne joue pas comme ça. C'est là où j'ai confirmé que toi, tu fais tes choses, tu dis seulement que tu blagues. Tu es même avec un gars comme ça, là, il va voyager, il ne te dit pas. Mm-hmm. Il t'envoie seulement la photo, il est déjà derrière le truc qui est comme l'étage là. Oui, qui est très grand comme ça là. Dieu est fort. Il dit, c'est là qu'il parle, dit Dieu est fort. Donc ça veut dire que prochainement là. Attends, il faut je vais baisser le feu. Oui, il va baisser, c'est trop fort. Ou non? Mm-hmm. Il faut, parce qu'il faut un feu doux. Tiède, doux. Il faut un feu doux pour que quand tu vas mettre, parce que t'es comme tcham. Mm-hmm. Après, ça va me brûler là. Doucement alors. C'est la partie là que je n'aime pas souvent. Aïe, attends, c'est là, ok. Voilà. Hey, on a Carmanga là. C'est moi-même qui prépare. Va faire ta vie. Tu montes, tu descends, tu cherches les hommes. Chers amis, vous qui me regardez à la maison, ça, c'est le Tiang Wondo, la sauce d'arachide. Haricot. Oui. Comment tu en arrives à ne pas avoir tes dents? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qui s'était passé, c'était un accident de la circulation. D'accord. Vous comprenez, non? Mm-hmm. Nous étions à un deuil. On avait perdu un camarade au lycée en 2009. On sortait de l'inhumation. J'étais au lycée technique de Mbalmayo. Voilà, là, ce que je fais là, c'est que je mélange. Oh! C'est ici alors, tu envoies les odeurs à ton voisin. Il vient toquer chez toi, voisin, bonjour, c'est juste qu'il a faim. Donc tu sortais de... Oui, on sortait d'un voyage. Après l'enterrement, je prends donc, j'étais avec un camarade. On décide de prendre une moto pour aller à l'agence pour rentrer. Et c'est pendant que le chauffeur, le motoman, nous conduisait. Je ne sais pas comment il avait fait, il était 19h, un truc comme ça, 20h moins. Le gars percute un piéton. Et ça nous a basculé. Mm-hmm. Nous sommes tombés. Moi, étant au milieu, j'avais senti ma tête comme si j'étais dans le moulinex. Je ne comprenais rien. C'est quand pendant que j'étais au sol, j'ai suivi les cris. Oh yo, oh yo. Les gars étaient déjà en train de bagarrer, on tapait sur le motoman. Et moi, j'ai senti et le vent, l'air glacé, passer dans ma bouche. Je lève ma tête, je ne sens même plus mes lèvres. Tout était déchiré. Quand elle lève mes yeux comme ça, elle voit que la moto est couchée, le phare de la moto était en train d'éclairer comme ça. C'est là où je vois mes 3 dents couchées comme ça. Là. Mais je reste comme ça. Là. Je dis que, papa, donc son maman va voir nous. Je reste dans l'accident, c'est là. Cloum, cloum. Pendant ce temps, les gars ne viennent pas me soulever. On est seulement avec le motoman, c'est là. Wow, 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 tu viens tuer les gens ici. Yeah, 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 yeah. On frappe sur lui. Non, quand il y a accident, ne tapez pas sur les gens. Il faut d'abord regarder que est-ce qu'il y a quelqu'un au sol qui n'a pas les dents. Est-ce qu'il y a un accidenté qu'il faut. Mais les gars sont là, on tape sur le chauffeur. Moi, je me bats. Je commence à ramper pour aller ramasser mes dents. C'est là où le phare de la moto là s'éteint. Bam, je ne vois plus mes dents pour prendre. 2 filles viennent vers moi.
Les deux filles viennent dire, hey, voici notre coucher, elle me soulève. Quand elle regarde mon visage, elle crie. Elle dit, waaah! Elle se met à fuir. Je dis, elle fuit quoi? J'ai quoi au visage? Et pourtant, mes dents étaient à partir. Ma bouche était comme, déchirée comme ça, le sang partout. Je vois mon camarade dans le noir, il dit, gars, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Il me dit, gars, je n'ai rien, je n'ai rien. Je dis, gars, regarde-moi, regarde-moi, moi j'ai eu quoi? Après, il me regarde, il restait, il est poussé, il dit, j'ai eu quoi, j'ai eu quoi, j'ai eu quoi. Donc, même parler, il avait du mal à parler, il bégaye. Hôpital, 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 hôpital. C'est comme ça qu'il perd connaissance, il tombe. Bim. C'est quand je vais donc vers les riverains, il dit, j'ai eu quoi. Quand un grand me voit, il dit, oh, c'est celui-ci qui est très mal touché. Il n'a plus les dents, amenez-le, sinon il va mourir. C'est comme ça qu'on me ramasse là, comme ça, là, comme hôpital, et tout, et tout, et tout. On m'avait déjà enlevé la tenue. Je n'avais que le bas là, qui ressemblait, notre bas ressemblait à la tenue de la gendarmerie. J'arrive comme ça là, la fille là me regarde. Hein, c'est quoi? Vous étiez boire. Même pour parler, je ne peux rien dire. Mon camarade là, lui, il crie là-bas comme une femme. Il pleure. Il dit, gars, je suis comme ça, même pour qu'on touche. Voilà comment un homme beau se retrouve. Sans dents. Sans dents. Waouh, jusqu'à trois. Jusqu'à trois dents. Pour un accident. Pour un accident. De moto. Que tu t'en vas même assister à un camarade. Qui était déjà parti. Qui était à lui parti. Il dit qu'il ne part pas seul. Il part avec tes dents. Il veut partir avec mes dents. Aujourd'hui, on trouve que haricots, c'est les dents du bas là qui ont poussé. Mais ça n'avait pas dérangé Meng. Meng m'avait aimé avec ça. Ah, elle t'avait quand même aimé. Oui, elle m'avait supporté. J'ai fait pratiquement trois semaines, un mois. Je ne mangeais pas. On me nourrissait avec les sons, les bruits et autres. Et c'était fini comme ça, c'était parti comme ça. Moi, j'avais mal. Parce qu'en 2010, j'avais déjà fait mon choix d'être un acteur comédien. Mais un acteur comédien sans dents, tu vas faire rire les qui? Qui va t'aimer? Donc, à cette époque-là, quand les gens me disaient non, tu es très bon, je voyais seulement qu'ils disent que si on lui dit encore qu'il n'est pas bon et il n'a pas les dents, on veut qu'il fasse. Parce qu'à l'école encore, moi qui étais si bon blagueur, quand il voulait seulement blaguer, mes camarades disaient que ouais, pourquoi il n'est pas mort? Il est revenu. Il est encore debout. Les gars disent que oh, c'est quoi? C'est la grenade qui a explosé sur ton visage. Ouais! Mais il a fallu du temps pour que je comprenne que c'était ce qui devait marquer aussi la différence. Parce que quand tu dis tu connais haricot, on dit non. Tu connais le gars qui joue avec moi, Minga? Non, et pourtant c'est moi, Minga, qui joue avec moi. Tu connais. Tu connais. Le gars qui n'a pas les dents, oui! Je le connais. J'aime trop le petit là, il est très bon, il est trop fort. Donc, un mal nécessaire. Haricot, ça sent déjà. Oui, ça arrive. Là, donc, tu es déjà en train d'envoyer les odeurs. Les odeurs. Oh là là. Ne soyons pas surpris si le voisin arrive là. Et qu'ils disent qu'il a soif, il a faim. Il faut donc lui préparer. Bon, maintenant, je vais apprêter ma pâte d'arachide. Pour l'apprêter, comme c'est une pâte tellement compacte, il faut d'abord l'émietter. Là, c'est autour de l'arachide. Oh, là, c'est autour de l'arachide. Mange, tu vas me regretter toute ta vie. Bon, là. Et il y a une technique aussi pour couvrir la marmite. C'est pas hermétiquement. D'accord. On laisse juste une ventilation là pour permettre à l'arachide de ne pas très monter. Parce que si ça monte, ça ne va pas cuire totalement. Ici, c'est la patate. Elle est toute blanche. Et quand je la regarde, elle n'a pas atteint totalement la maturité parce qu'on l'a enlevée à moins de 2 semaines. On n'avait pas le choix, tu as dit que tu voulais la patate. Ah, ok. Donc on était obligé d'aller déterrer ça là maintenant. D'accord. C'est ainsi que moi je nettoie ma patate pour éviter de me blesser.
Attention, de temps en temps, il ne faut pas oublier sa marmite. Mmh. On revient, on remue, un genre en genre. Voilà, j'ai du bon piment là. Ok, bon. Je pouvais mettre les trois piments, mais je vais mettre deux uniquement. D'accord. Parce que là, on a le rouge. Si on avait le vert rouge jaune, j'allais mettre les trois. Là, je vais nettoyer mes patates. Bon, on nettoie, on nettoie. Pendant que ça va mijoter, tu vas enlever ton tablier et prendre un rafraîchissant. Et puis, on se retrouve dans le séjour. Voilà la partie. Alors, tu t'assois où tu veux. Voilà. On va faire un petit jeu. Hmm. Tu vas prendre la télécommande et tu vas zapper. C'est là, moi, Minga. Il fallait mettre la photo là où elle était encore laide. Ici, elle est belle. Bon, elle a été toujours avec nous, elle est toujours avec nous. C'est une jeune fille travailleuse qui travaille énormément et qui croit en elle. Très ponctuelle, elle te nuit même lorsque tu ne veux pas travailler. Si elle fait deux jours sans travailler, elle se sentirait mal à l'aise. Et aujourd'hui, si certaines personnes se disent, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'elle n'est plus là? Je pense que ce soit pour elle, que ce soit pour moi personnellement, c'est dû à notre travail. Chacun un peu tiraillé de gauche à droite. Mm-hmm. Elle notamment avec son étoile qui brille déjà assez bien. Ça devient un peu difficile pour qu'on trouve les moyens pour travailler. Mais à chaque fois qu'on se rencontre, depuis plus d'un an aujourd'hui, toutes les vidéos que nous avons fait ensemble, c'est lorsqu'on a la chance de se rencontrer n'importe où. On sort la caméra et on essaye d'improviser. Dieu merci, le papa et Doudou est là aujourd'hui pour nous encadrer, pour nous soutenir, pour nous aider encore à mieux grandir. Babadi et Del Piso. Uh-huh. C'est des petits frères à moi, les membres de la troupe des Rigolas avec lesquels je suis ensemble depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Moi, je t'appelle avec mon propre numéro, ça m'a dit combien de numéros là, combien de chiffres. En fait, c'est une vidéo remplie d'émotions. Parce que pour moi, cette image, c'est la toute première fois pour moi, je n'avais jamais imaginé de prendre l'avion un jour. Et à cause d'une vidéo d'anniversaire que j'avais fait à ce fan, que je ne connaissais pas, et le fan a voulu me remercier avec ce voyage parce que le fan trouvait que j'avais tellement de talent. Et lorsque je reviens, avant de voir ma mère, c'est là où ma mère meurt. Parce que j'avais envie de la voir et de la serrer contre moi pour lui dire, enfin, tu as quelqu'un qui... un de tes fils qui essaye de croire en son rêve. Oh, mais je voulais pleurer. C'est un buzzer. C'est la nouvelle? La remplaçante de Mung. Mais elle est dérange. Elle veut me tuer avec le poutourou. C'est elle qui m'avait acheté les dents. J'ai mis les dents, mais elle m'a puni. Elle a enlevé le côté du haut là. Elle dit que je suis toujours en train de penser à Mung. Moi, elle dit que Mung et moi, c'est fini. Non, c'est pour oui. D'accord. Prochaine image. Merci beaucoup. Moussi le charismatique, pour moi, c'est l'unique. C'est l'unique au Cameroun lorsque j'étais en bas de maillot. C'est le seul que je regardais. C'est le seul qui m'a boosté à me surpasser et à dire je vais faire comme lui, je vais arriver à son niveau. Et la toute première fois où nous sommes entrés en contact avec lui, c'était via Gislain Mourou, parce que Gislain le connaissait déjà, Gislain réalisait ses vidéos. Et Gislain l'avait écrit, Gislain lui avait dit, j'ai mes petits en bas le maillot, je veux que tu leur donnes un coup de main. Après, il a dit, non, demande à tes petits de travailler, et je ne pense pas, il faut qu'ils travaillent. Et lorsque je sors le coup de fil de Mung, après avoir fait moi Minga aux toilettes, d'où l'expression fort aux fesses qui arrive au Cameroun et qui prend tout la puissance, on se rend compte. Pour la première fois, il y avait son caméraman qui m'avait écrit sur WhatsApp. Il m'a dit, Moustique est fan de toi. C'est-à-dire, il se lève le matin, il regarde tes vidéos, il se tord de rire. Je veux que tu arrives à... Il avait une prestation quelque part là, à Ikié. Il faudrait que tu arrives.
Je suis allé avec mes frères, on s'est assis et Moustique était vraiment la guest ce jour-là, il prestait. Et lorsqu'il a posé les yeux sur moi, il a laissé le micro. Il est venu directement, il m'a pris, il m'a dit « Non, tu es trop fort. Je ne sais pas d'où tu as tiré ça, d'où ça te vient. » Et c'est comme ça qu'il a sollicité travailler avec nous, travailler avec moi. Et il m'a adopté. Aujourd'hui, il m'appelle mon beau. D'accord. Prochaine image. Ok, je zappe. Ouais. Erich Takam. Sa capacité à avancer, à foncer, à proposer des choses et de savoir sentir ce qui marche. Lorsque j'ai perdu ma maman, il n'était pas là, mais j'ai reçu un coup de fil venant de lui. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui a beaucoup de qualité. D'accord. Prochaine image. Ok. Ouais, je regrette mes mois, Cameron Andjup, pour le peu de temps que nous avons eu. Je pense que mon premier contact avec lui, c'était en 2022, lorsqu'il rentre de Dubaï. J'ai rencontré quelqu'un chargé, quelqu'un rempli de défis, de surpassement, de vouloir faire toujours les bonnes choses, de vouloir aider les jeunes. Et il m'a dit, il faudrait que tu viennes t'installer à Douala parce qu'ici chez nous, nous avons beaucoup de secteurs d'activité de communiquer. Moi, j'ai des contrats avec ceci et je ne peux plus m'engager avec d'autres. Et pourtant, je peux essayer de repartir avec des jeunes comme les vous. Il faut revenir. Mais malheureusement, ce projet n'avait pas pris corps parce que pendant qu'on y était sur le site de tournage, il y a cette image qui explose pendant le tournage entre lui et moi, Minga. L'image du bisou qui prend corps et qui arrive et qui change le projet qu'on nourrissait ensemble. D'accord. Ok, Ariko le Congo, ça m'a pris, j'ai carrément oublié. On a notre mamie au feu. Je pense qu'on va aller regarder, c'est bon là. Oui, il ne faut pas que ça brûle. Yawa! Ah oui. That is me, ça c'est moi. Mango, Nakarona, je suis en cordon bleu. Viens goûter ça. Bushman. C'est bon. On peut passer à table. Feu. Seigneur, donne à ceux qui n'en ont pas et bénis ce repas. Bénis ma main de nourriture. Bénis mon cerveau et donne-moi toujours inspiration. Amen. Tout est sur mesure. Ma note à moi-même, c'est 11,5/11. En même temps, on regarde bien, c'est bon. Eh, mon Marianne, si ma mère pouvait goûter ça. Très belle initiative, longue durée à vous et que le Seigneur vous protège tous. Dans les cadres, les monteurs, la journaliste, tout ce que j'ai envie de dire à cette journaliste, sois intelligente. Reste sage, ne te détourne pas des voies du Seigneur. Mangue pleure aujourd'hui parce que c'est détourné. Elle, c'est le démon incarné. Elle n'aura jamais un homme comme moi dans ma vie. Elle ne me verra plus dans les quatre murs. C'était bon et j'ai aimé mon passage. Me voici comme un mostar. J'ai les relations. Je prépare en me voir en mon Dieu vision créative. Dostas. L'émission est finie, ouais.